dur, tranquillement, on va reprendre notre activité physique et santé. Rappelle-toi, comme je ne suis pas chez toi, tu peux m'inviter, hein, il n'y a pas de souci, mais comme je ne suis pas chez toi, fais attention quand même. Je ne suis pas là pour te voir. Malgré que je vois plusieurs petits écrans, je ne peux pas vraiment bien voir. Allez, on y va sur le plan cardio. Tranquillement, on bouge. Comme si tu allais courir. Inspiration, expiration, ça c'est bien. Voilà. Le but, c'est de bien respirer aussi et de se décontracter. Ne courez pas, contractez. Décontractez-vous. Voilà, ça c'est bien. Excellent. Tranquillement. Et à partir de là, on va commencer à tendre les bras. Je me mets légèrement en profil pour que tu puisses voir. Alors, tendez bien et accompagnez votre respiration. Inspiration, expiration. Voilà. Le but, c'est tranquillement. Voilà, ça c'est bien. Toujours bien respirer. Sous forme de petite course sur place. Allège-toi. Et là, tranquillement, les talons au niveau des fessiers. Tu commences à ramener tes talons au niveau des fessiers. Donc, tu essaies de. Voilà. Inspiration, expiration. Voilà. Et les bras en terre. 1, 2, 3, 4, voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je cours toujours. Et les bras, tu vas parallèle au sol. Là aussi, ce n'est pas vraiment important d'aller très vite, suivant ton rythme, je dirais ton niveau aussi, ton âge aussi. Tu fais attention. Bien sûr, tu fais attention. Inspiration, expiration. Voilà, c'est bien. Et je reprends à courir. Avec, essayez d'avoir une amplitude au niveau de votre foulée. Même si je reste sur place, je ne fais pas ceci. Moi, je vais ramener une sorte de foulée. Voilà, c'est bien. Bouge tes épaules, ne sois pas contracté. Tu vois, tu bouges, je m'en rapproche, tu vas voir, tu vois, tu essaies d'être assez décontracté. C'est très très bien. Toujours le relativement en dessous. Inspiration, expiration. Ça, c'est important. Le souffle. Voilà. Et là, je sautille sur place. Donc, n'ayez pas les pieds joints. Écarte les jambes de façon à avoir à peu près largeur des hanches. Et je sautille. Donc, ce sont la réception au niveau de tes orteils, de ta voûte plantaire, et non les talons. Je ne dois rien entendre. C'est bien. Tranquillement. Et là, allez. Tu vois, avec les jambes, je bouge. Voilà, alors c'est différent de la course. La course, tu fais ceci, et là tu vois, tu fais comme ceci, tu sautes légèrement. Ce qui va t'amener aussi une sorte d'aisance en combat lors du déplacement au niveau karaté, c'est important, mais aussi au niveau de la boxe, du full contact, du karaté contact pour tous ceux qui participent à ces cours-là. Soyez dynamique, bougez vos jambes ainsi que vos épaules. N'hésitez pas à bien respirer. Là, on va commencer à augmenter la température corporelle. Rappelle-toi, les combats, ça peut être de 3 minutes en boxe, 5 minutes en MMA, et ça dépend de quel style que tu fais, mais c'est relativement, si tu ne travailles pas les conditions physiques, c'est difficile. Tu le sais bien. Allez, je repars. 1, 2, 3. avec les bras. J'éclate, je chante en harmonie avec mes bras et mes jambes. Inspiration, expiration. Voilà, c'est super bien. Continuez toujours. Allez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, je repars et je prends les bras. Regarde, de profil, ça fait ceci. Comme des Osuki. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi, l'important. Comme des Osuki, je bouge. Et là, je reviens et je saute. Comme la corde à sauter. Voilà. Tu vas essayer de se plier. Alors, trois pieds joints comme ça. Soit à gauche, soit à droite, soit à gauche, soit à droite. Tranquillement, tu vois. Voilà, si tu me vois, tu essaies de... Tranquillement, voilà. Inspiration, expiration. Relâchez. Et je commence à mettre la jambe gauche devant, tout en sautillant, on ne s'arrête pas. Enfin, si tu as quoi que ce soit, problème de souffle, de jambes ou autre, arrête-toi, c'est obligatoire. Pour les autres, on continue. La garde, resserre ta garde. Rappelle-toi que si tu es comme ça, les uppercuts peuvent passer. Si tu es comme ça, les uppercuts passent. Voilà, c'est important. Ah, ça c'est bien ça. Allez, petite flexion. Bam. Et je commence à bouger le corps. Voilà, tranquillement. Toujours dans le côté relâché. Relâche-toi. Inspiration, expiration. Le but, c'est de pouvoir travailler et être détendu. Tu vas peut-être ressentir une tension au niveau de tes jambes, mais c'est tout à fait logique et normal. Heureusement d'ailleurs. Le but, c'est de se relâcher. Ouais, voilà. Et on va commencer tranquillement. Bam, bam, bam. Trois techniques. Couche, droite, gauche. Expire à chaque fois que tu vas. Allez. Toujours vigilance. Regarde, ne ferme pas les yeux. Bam, bam, bam. Regarde bien en face de ton écran. Voilà. On souffle. Récupération, on reprend à courir. Tranquillement. La récupération, tu dois la faire active. Je t'explique. Active veut dire ne pas aller trop vite, redescendre ton rythme cardiaque. Mais pour le descendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est simple. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. C'est comme ça qu'on récupère. Et là, je stoppe maintenant. Tu vois, t'es stoppé. Largeur des hanches. Allez, je bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je reprends un footing légèrement. Alors, que ce soit un cours en live ou un cours dojo avec moi. Chaque minute de retard, c'est 10 pompes. Je sais qu'il y a une personne qui vient d'arriver, elle a des minutes de retard. Chaque minute de retard égale 10 pompes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chut, monte les genoux, les genoux. On monte les genoux. Inspiration, expiration, c'est très très bien. Ouais. Et je décontracte. J'étire. Je reviens et je bascule au niveau des bras. Tranquillement. Alors je ne reste pas statique. Je bouge un peu, tu vois. Alors là encore, l'amplitude musculaire et articulaire. T'as ceci comme travail et t'as celui-ci. Et c'est celui-ci que je te demande. Bonne amplitude. Voilà, ça fait travailler les épaules. Alors attention aux personnes qui ont mal aux épaules ou autres, au niveau des articulations. Méfiant cet exercice. Ces personnes-là se reconnaîtront. Voilà, c'est très très bien. Décontraction, je pars en arrière comme si je faisais de la natation, tu vois. Voilà. Comme si, tu vois, je pars derrière. Je profite, tu pars. Et tu fais comme ceci. Voilà, ces mouvements-là. 1, et 2, et 3, voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, la même chose devant, comme si tu nageais. 1, 2, 3, mais bouge le corps. Tu vois, ne reste pas sur place. Excellent. Je récupère tranquillement et je m'en mets à courir. C'est super bien. Pareil. Et à partir de là, je sautille légèrement et je remets la garde de boxe. Je te rappelle que la garde de boxe, elle est là. Pas ici, hein. Là. Là, 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 comme ça. Et là, je légèrement. Pour ceux qui pratiquent la boxe, pour eux c'est simple, karaté aussi. Pour ceux qui sont au cours de cardio training, ça reviendra au même. On va travailler quand même la musculation. Tout ça c'est valable pour tout le monde, bien sûr. C'est un cours commun que je prépare. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petite flexion. Et oui, tu as vu l'exercice, c'est celui-ci. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petite flexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petite flexion. C'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petite flexion. Chut, 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 chut. Oui, flexion. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, flexion. Et je repars tranquillement. Sautillez. Les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich. Voilà, les bras restent statiques, enfin, au niveau des hanches, pardon, et tu travailles au niveau des jambes. Inspiration, expiration. Ok, stabilise. Je lève la jambe. Pardon, lève la jambe gauche. Mais attention, quand je parle de lever la jambe gauche, ne fais pas ceci. Tu lèves à peine. Je veux que tu lèves le genou correctement. N'oublie pas que je te vois quand même. 1, 2, 3, 4, lève, 5, 6, 7, 8, 9, 10, change de jambe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est très très bien. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'autre jambe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bascule sur les hanches pour travailler les hanches. Et de l'autre côté. 3 secondes pour parler. Écoute-moi bien. J'ai préparé une vidéo pour toi que tu vas voir sûrement la semaine prochaine, je pense, à mon avis. Spécialement grâce au karaté, affiner tes fessiers et tes jambes. Affiner tes fessiers et jambes grâce au cours que je vais te préparer. Je te signale que si tu fais ça au moins plusieurs semaines, tu vas avoir des résultats. Sur ce, tu as récupéré, c'est parfait. Flexion, montée, flexion, montée, flexion, montée, flexion, montée, flexion, montée. Alexandra, c'est génial, c'est très très bien. Vous continuez, ça me fait vraiment plaisir. Alors, voilà, c'est très bien. Je suis fier de tous mes élèves. Bravo. Je te fais un cadeau, ça s'arrête là. Petit cadeau. Ensuite, une flexion, seule, montée. Un petit cadeau de bienvenue, anonymat. Flexion, seule, montée. 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 Et je monte les jambes. 1, 2, maintenant je varie. La gauche, la droite, la gauche, la droite. Monte bien tes genoux. Inspiration, monte bien tes genoux. La gauche, la droite. Voilà, ça fait 3 jours que je suis enfermé ici. C'est logique, je comprends pourquoi on travaille. C'est très très bien. Pour terminer comme ceci, notre petit cours, on va faire comme ceci. Alors, c'est juste pour rire. C'est bientôt la fin. Il y en a qui vont se reconnaître. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17, 18, 19, 20, 20 et 20. Parfait, 20 flexions. On souffle, t'as récupéré, c'est parfait. Main sur les hanches, Maguiri 1, Maguiri gauche, Maguiri 3. Tu armes et tu lèves. Pour ceux qui ne pratiquent pas le karaté, il n'y a aucun souci. Tu lèves correctement l'ensemble du genou, tu vois, et tu tends et tu ramènes. Tu vas travailler non seulement tes quadriceps, ischio-jambiers, mais aussi l'équilibre et l'ensemble des fessiers. Allez, on y va. 1, 2, je change. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En César, voilà. Inspiration, expiration. Tu récupères quand même. Voilà. On va repartir pour une série de 15. Je change de côté pour que tu puisses bien me voir. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est excellent. Je décontracte. Inspiration, expiration. La troisième série, on va aller un petit peu moins vite. On va moins vite pour les pompes, de façon à travailler l'ensemble musculaire. Travaille correctement, on se place. Et c'est parti. 1, et je suis en hauteur. 2, et je remonte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je reviens. Je reviens tranquillement. Et on décontracte. Inspiration, expiration. C'est très 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 bien. Alors, à partir de là, on va travailler sur les abdominaux. Je décontracte les bras. C'est bon pour tout le monde. Au sol. J'attends d'être au sol. Respire correctement, ça c'est important. Les mains comme ça, et tu relèves ici. Et là, tu tends les jambes. Tu tends et tu les ramènes. Tu vois, on y va. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je souffle. Tu récupères. Tout le monde a récupéré. C'est très très bien. Là, je vous mets de l'autre côté pour que tu puisses voir et tu recommences la même série d'abdominaux. Serre le tout, serre le tout. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. J'écarte les jambes pour récupérer. Je descends légèrement. Toujours pareil, la souplesse c'est très important. Hein. Les écarts, les étirements. Inspire, expire à chaque fois. Voilà. Et je repars comme ceci. En fait, tu vas te relever et revenir. Tu vois, tu te relèves et tu reviens. Tout le monde est prêt. On va le faire ensemble et en famille. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je souffle. T'as récupéré? Magnifique, magnifique. Je recommence les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et je suis redouble, double, debout. Ouais, c'est bien. Inspiration, expiration. Toujours pareil. C'est super. Tranquillement. On va finir la séance comme ceci. Les abdos. Alors, je bloque un petit peu. Je contracte mes abdos, mes fessiers. Contractez-les. Contractez-les, on sent. Prends conscience de tes muscles. Si tu penses à ce que tu vas manger ce soir ou le film que tu vas regarder après moi, tu ne peux pas travailler correctement. Sache-le. Chaque fois que tu fais un mouvement, il faut que tu sois dans le moment présent. Pense à ce que tu fais et non à ce que tu vas faire. Ressens. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Le but, c'est de bien inspirer. Inspire, expire. De redescendre cette tension nerveuse. Ça, c'est aussi essentiel. Par la respiration, tu vas oxygéner un maximum tes muscles. Apporter un maximum d'air. Dans l'air qui est composé d'azote et d'oxygène, l'oxygène va être fixé et ça va te permettre de te détendre. Là aussi, prends conscience de ton corps. C'est vraiment important. Voilà, ça c'est parfait. Maintenant, j'étire et je vais travailler ici le muscle, le dorsal, l'autre côté. C'est un muscle assez puissant, large, épais aussi. Et j'étire. Voilà, ça c'est magnifique. Je reviens comme ceci, mains et pieds joints, tu vas étirer, inspiration, expiration, et tu vas essayer de descendre, toujours en gardant les jambes bien tendues. Normalement, derrière, ça va tirer les fessiers, ischio-jambiers, ainsi que les mollets. Et je remonte tranquillement, et je les remonte. Et un ici. Voilà. Inspiration, expiration. Ça, c'est vraiment bien. Voilà. Maintenant, on va se placer comme ceci. Et j'étire un. Voilà. De l'autre côté. Deux. Tu vois, tu étires comme ça. Vous voyez, vous étirez, et de l'autre côté, on étire. Voilà, ça c'est très très bien. C'est important d'étirer les jambes. Je place comme ceci. Je me place comme ceci. Et je bascule un. Et je bascule de l'autre côté. Deux. Devant, on essaie d'étirer. Voilà. On se rebascule comme ceci. J'étire le dos. Rappelle-toi, dans la position comme ceci, tu étires ton dos. Tu ramènes comme ceci. Toujours pareil, donc on va se relever tranquillement. Et toujours pareil, inspiration. C'est vraiment important d'inspirer. Expire. Voilà. On décontracte les épaules. On décontracte. Je viens ici.